lorsqu'une oreille est donc sale, lorsqu'une oreille va contenir en son sein une grande quantité donc de cérumen, on parle donc de bouchon de cérumen, ça va être donc une sorte de graisse qui va donc être contenue au niveau de son oreille et qui a pour rôle de pouvoir lubrifier déjà l'oreille pour pouvoir transcrire les sons que l'on va donc entendre au niveau du cerveau pour avoir un son beaucoup plus clair. Lorsque donc son oreille sera sale, il faudrait donc laver son oreille de manière aussi fréquente. En général, il est conseillé de pouvoir le faire même une fois par semaine. Et pour nettoyer l'oreille, c'est très facile. Il suffit simplement d'utiliser une vapeur. On peut utiliser soit une vapeur et on penche son oreille au niveau donc de cette vapeur pendant environ 10-15 minutes. Cela va donc diluer le bouchon de cérumen qui donc au bout de quelques minutes va commencer à pondre et à sortir de son oreille. Mais si on n'a pas cette possibilité, on peut donc utiliser les poires que l'on peut acheter facilement et en vente libre au niveau d'une pharmacie. Imbiber cette poire-là donc d'eau chaude, d'eau tiède et pulvériser vraiment doucement au niveau de son conduit auditif. Ça permettrait aussi de pouvoir déboucher donc le conduit auditif et de pouvoir nettoyer son oreille normalement. Ou encore, on peut utiliser certaines substances vendues en pharmacie, des produits, des médicaments, des principes actifs qui auront pour but de pouvoir diluer le bouchon de cérumen et donc de nettoyer son conduit auditif. Mais il est déconseillé de pouvoir utiliser ces tiges coton pour pouvoir en les introduisant dans le conduit auditif parce que cela aura un effet inverse. Au lieu de pouvoir donc sortir le bouchon de cérumen avec le tige coton et avec la pression exercée par la main, on risquerait de pousser encore davantage le bouchon de cérumen au niveau donc de son tympan. Donc le tige coton intervient lorsque on va donc déjà avoir le bouchon de cérumen dilué au niveau donc de sa partie externe de l'oreille. Donc on utilisera un tige coton pour nettoyer la partie externe de l'oreille et non la partie interne de l'oreille. C'est ce qu'il faut faire pour nettoyer ses oreilles. Donc on peut avoir, dès lors qu'on a comme ça un bouchon de cérumen ou on sent même d'ailleurs que son oreille est bouchée, on peut utiliser l'une de ces méthodes pour pouvoir donc déboucher son oreille. Mais on peut avoir une oreille bouchée, pas seulement lorsqu'on a un bouchon de cérumen qui commence à bloquer le conduit auditif. On peut avoir des oreilles bouchées quand on a attrapé un rhume. Un simple rhume peut emmener donc comme ça un individu à avoir des oreilles bouchées. Des simples sinusites peuvent emmener comme ça un individu à avoir des oreilles bouchées. Ou même le fait de changer simplement de pression. Un individu qui prend un avion pendant le décollage aura ses oreilles bouchées pendant un moment. Ça s'appelle donc un barotraumatisme. Le fait donc que par changement de pression, l'individu aura des oreilles bouchées. À ce moment, on peut utiliser l'une de ces méthodes pour pouvoir déboucher l'oreille et pour pouvoir avoir son conduit auditif parfaitement évacué. Et face aux démangeaisons donc de l'oreille, il serait souhaitable de pouvoir simplement consommer suite au conseil d'un médecin ou d'un pharmacien des antihistaminiques qui auront pour but donc de pouvoir arrêter ces histamines, donc d'éviter la survenue de ces allergies et de ces démangeaisons à répétition. Donc les utiliser simplement vont arrêter presque automatiquement les démangeaisons pour une très longue durée. Mais en général, quand les oreilles emmènent un individu à se gratter de manière vraiment fréquente, il faut comme ça chercher à consulter un ORL. En général, il y a une maladie sous-jacente qui pousserait l'individu à se gratter tous les jours. Alors, pour soulager ces démangeaisons à l'intérieur, en dehors des antihistaminiques, on peut simplement utiliser un produit qui va contenir donc un antiseptique qui ira pour déboucher donc le cérumen. Ça s'appelle donc des céruménolytiques, donc des types de produits qui iront déboucher et arrêter au même moment donc ces démangeaisons. Donc, nul n'est besoin d'utiliser des tiges coton. Ce qui va être vraiment contre-indiqué, très dangereux pour un individu, pour les oreilles. À partir du moment où il n'y aura pas un effet apparent, même négatif, même apparent, on peut utiliser, comme ça se fait un peu souvent, on voit des vieillards, des individus utiliser des plumes pour pouvoir donc se nettoyer l'intérieur des oreilles. À partir du moment où il n'y aura pas d'effet indésirable apparent, on peut les utiliser. Mais dès qu'on constatera des effets indésirables, même apparents, il faut simplement arrêter pour passer donc à un produit médical qui aura des effets prouvés et démontrés.